Elle me défie pour la dernière fois. Milena. Kano devait te tuer, misérable serpent. Connaissez. Un autre Édénien, le soi-disant demi-dieu. Combattre ! Je suis le fils d'Argus. Je n'ai pas été proclamé dieu par une bande de rustres superstitieux. Milena se doute sûrement de tes véritables intentions, fils d'Argus. Mes intentions sont de t'apprendre la différence entre Dupuis. Que ça te serve de leçon. Tu ne le toucheras plus jamais. Mais moi, si. En tant qu'héritière de mon père Shao Kahn, moi, Milena, Kanoum de l'Outre-Monde, ordonne ton exécution!
quelqu'un sera exécuté aujourd'hui. Ta rébellion va être punie, Milena. Ton sang versé fera justice. En haut de l'escalier, à côté du foyer. Donc vu notre empereur. Une petite chatte devenue un jaguar. À la zone de largage, on se sépare. Jackie et moi, on entre par le sud, vous deux par l'ouest. On se retrouve ici, à l'entrée nord. Et ensuite, on le chope et on se fait la malle ? S'il résiste, on l'assomme. Ne va pas t'imaginer qu'il n'opposera aucune résistance. T'inquiète. Tu peux me croire, Sub-Zero ne verra rien venir. Les défenses avant se sont retirées comme convenu, grand maître. C'est confirmé. Quatre intrus. Alors allons donc saluer nos invités. Ok, je passe devant. Toi et Jean, par là. Allez! On y va. Jean. Toi, je dois... Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quelles sont vos intentions ? Grand maître, il faut nous accompagner. Je suis le sergent... Vous me demandez de coopérer, mais vous êtes isolé. Encerclé, qu'allez-vous faire ? Mon père t'a en haute estime, Sub-Zero. Il veut te parler. Parler ? Toujours son premier recours. Ok. Si tu préfères la baston, allez ! Non ! Cassandra Cage, tu diriges ce groupe, mais il ne t'écoute pas. Que ferait ta mère, dis-moi ? Elle te dit qu'elle s'en va.
ressemble plus à ta mère que tu ne le crois. Tes pouvoirs auraient dû t'indiquer mes intentions, Takahashi Takeda. Je suppose que Kenshi t'a appris à les utiliser. Mon père m'a appris beaucoup de choses, grand maître. Voyons ça. Tu n'es pas ton père. Pas encore. Fais chier. Tu as annoncé ton arrivée, Jacqueline Briggs. Experte Briggs. Oui. C'est vrai qu'on aime les titres prestigieux dans ta famille. Si tu connais mon père, tu me connais aussi. Je vous croyais amis. Notre histoire a une sombre conclusion. Ne sois pas trop dur avec toi-même, experte spéciale Briggs. Bravo. Kong Jin, tu
devrais aider tes compagnons plutôt que de railler tes supérieurs. Je m'en souviendrai. Pour le jour où j'en croiserai un. Faronné ne te sied guère. Une idée ? Sub-Zero, discutons. Il fallait y penser avant. T'as un autre plan, Cage ? Fallait déjà suivre le premier. Ça va mal aller pour toi si tu nous tues. C'est fort probable. Chuo, Dangjing. Ça a marché? C'était un... entraînement, oui. Bon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Tes amis et toi avaient des qualités, Cassandra Cage. Mais tant que vous ne collaborerez pas, elles ne serviront à rien. Et sinon, elle vous a plu, cette mission ? Les Linkway nous ont défoncé. Toi, peut-être. Il y a un paquet d'empreintes de pieds sur ton cul, aussi. Ça suffit. En ce qui me concerne, vous avez tous gagné. On a reçu les ordres du général Blade. On a des intrus de l'outre-monde, ici, sur Terre. Une invasion ? Impossible. Vous n'êtes pas inquiet, hein, Monsieur Cage ? L'outre-monde ? Ça va, je gère. Bon, ils sont arrivés quand ? Le portail s'est ouvert sur les quais il y a quelques heures. Ils sont presque 5000. Des réfugiés qui fuient la guerre civile. Ça doit être la panique pour qu'ils prennent le risque de venir ici. Après toi. Ne pense plus à ton combat contre les Linkway, fils. Plus facile à dire qu'à faire. Merci, Kenshi. Vous nous accompagnez, Monsieur Cage et toi ? Sergent Cage, que l'équipe reprenne sa position. Voici Limei. Son peuple demande asile dans le royaume Terre. Notre village, Sundo, s'est retrouvé au cœur d'une violente bataille. Nous avons eu de la chance d'en réchapper. Ouais, c'est la guerre. Je veux dire, le prenez pas mal, mais c'est un peu votre seconde nature dans l'outre-monde.
c'était différent. Les rebelles, Milena, ils avaient une arme inconnue. Des bataillons entiers, anéantis. Ce n'est pas ça le combat. Aucun honneur. Que savez-vous de cette arme ? C'est un talisman, en or, rehaussé d'un joyau. Milena en manipule l'énergie pourpre sans grande précision. C'est plutôt bien ça. Pas maintenant, sergent Cage. Ça suffit pourtant amplement. Il retourne le combat en sa faveur. L'empereur se désespère. Et ceux qui se retrouvent au milieu paient le prix fort. Si ce talisman est bien ce que je pense, nous allons tous le payer. Ça serait l'amulette de Shinnok ? Impossible. La base, la chambre forte, les défenses. Les FS, les Shaolin, personne ne peut passer outre. Je dois m'en assurer. Eh ben, on va bien se marrer. Vous me rappelez un terrien qui s'est joint à nous. Il prend tout avec humour, lui aussi. Un beau gosse, j'imagine. J'ai dit un terrien. Avec un œil rouge. Brillant. De qui elle parle ? Kenshi, occupe-toi de Limei. Moi, je vais au camp des réfugiés. Il faut absolument que je le trouve avant qu'il puisse filer. Je viens avec toi. Va demander au colonel Flax qu'il en ait de la sécurité. Pourquoi ? Pour que je puisse avoir la paix. On vient avec toi ? Non. Je dois vérifier avec Kotal Kahn si Limei dit la vérité. Ton équipe et toi, vous allez dans l'outre-monde. C'est marrant, je m'attendais presque à ce que le ciel soit violet, en fait. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net. D'où tu sors toute ta science ? Les archives Shaolin. J'ai beaucoup étudié l'outre-monde. Rien ne remplace l'expérience. Alors pourquoi c'est toi la chef ? Ça suffit. Concentre-nous sur la mission. Limei dit la vérité, c'est sûr. Une invasion enfreindrait les accords de Reko. Venant de l'outre-monde, y a pas de quoi être étonné. Mais s'ils sont nos alliés, pourquoi nous ont-ils pas aidés pendant la guerre contre le Nether ? Contre Quan Chi et son armée de... De revenants ? Comme le père de Jackie ? Enfoiré. Ce n'est pas une alliance, mais un pacte de non-agression. L'outre-monde n'est pas notre allié. Tu ferais bien de ne pas le crier trop fort, vu l'endroit où tu te trouves. Que venez-vous faire ici ? Donnez-nous une bonne raison de ne pas vous tuer. Je lis en toi. Tu n'es pas de l'outre-monde. Je viens de la Terre, comme toi. Celui qui m'emploie, Kotal Kahn, vient de l'outre-monde. Et de fait, j'en suis aussi. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes des émissaires. Nous voulons parler à Kotal Kahn. Regarde, nous avons le sceau officiel de Raiden. Ce genre de babiole s'achète n'importe où par ici. Écoute, tu peux nous arrêter, nous tuer même. Mais si on dit la vérité, tu peux dire adieu à ta prime. Ou pire, emmène-nous voir le Kahn. Je lui dirai que tu nous as battus. T'auras peut-être droit à un bonus. C'est tout bénef. Suivez-moi. En ces temps de guerre, nous devons considérer toutes les ressources comme des armes pouvant être réquisitionnées par l'Empereur. En utiliser sans son autorisation revient à voler Kotal Kahn lui-même. De fait, votre culpabilité ayant été établie, vous êtes condamné à mort. J'avais faim. La sentence sera exécutée immédiatement. La mort ? Pour un simple vol ? N'oubliez pas où vous êtes. Jean ? Dégage de là. Allez.
savais que je n'aurais pas dû vous écouter. Une leçon de confiance, par un mercenaire. Tu voulais des leçons